Bonjour. Bonjour. J'ai trouvé ce livre par terre. Montrez-moi. Vous auriez d'autres livres dans la collection ? La collection est en réserve. Je peux y jeter un œil ? Bon, bah écoutez, voici les clés. N'oubliez pas de les ramener avant de repartir. Pas de soucis. Merci. The Luke Skywalker X-Wing Pilot from the Star Wars Action Figures Collection, each sold separately. I'm Jawa. Wanna buy a droid? Sure, what you got? It's R5-D4 and the Power Droid. So. And here's Greedo, Han Solo, and Walrus Man. You've had it now, Solo. Yeah. Greedo, it's Ben Kenobi and his lightsaber. We're in trouble. Let's get out of here. Luke Skywalker X-Wing Pilot, R5-D4, Greedo, and other action figures sold separately from Kenner. Avec Star Wars et sa quête mythologique sur fond de bataille spatiale, le spectateur est embarqué dans un univers sans frontières. Jusqu'en 1983, son cadre est même limité à 3 films, quelques comics et un nombre de produits dérivés conséquents. L'impact sur le modèle économique des productions cinématographiques des années 80 est irréversible. Ba 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 nana, ba 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 nana. Si aujourd'hui la notion de licence est largement démocratisée, avec des studios qui capitalisent sur l'image de leur long métrage, en 1977, ce phénomène est nouveau pour le cinéma. Jamais la place des produits dérivés autour d'un film n'avait pris autant d'importance qu'avec l'arrivée de la saga de Lucas. Il s'agira sans nul doute du début du merchandising cinéma à grande échelle. Le côté marketing et merchandising, etc., a toujours été présent dans Star Wars depuis le début. Star Wars a bouleversé complètement la façon de faire des films. C'est-à-dire qu'avant Star Wars, l'idée c'était de faire des films pour créer, alors évidemment rapporter de l'argent, mais pour créer aussi quelque chose. Et George Lucas, lui, il a tout de suite eu une autre intention qui était faire des films pour vendre des produits dérivés. On connaît l'histoire de George Lucas qui a préféré baisser son salaire pour avoir des droits sur les produits dérivés. Ces produits dérivés-là, l'idée de génie, c'était de se dire on va sortir un film Star Wars, il y en aura. J'ai envie qu'il y en ait d'autres, mais il n'y en aura peut-être pas d'autres, se dit Lucas. Donc, je crée un film très ouvert, avec un monde très très riche, avec des personnages très peu détaillés, mais à côté, je fais des jouets. Et du coup, les enfants vont acheter les jouets et vont poursuivre l'aventure à la maison. Et c'était totalement novateur à cette époque, parce que merchandising, ça n'existait pas vraiment lié à un film. Donc il a eu le nez creux. Et en ça, il a modifié, alors je ne sais pas si c'est tué, mais en tout cas profondément modifié le cinéma, puisque derrière, c'était la première fois que ça se faisait, la première fois que ça marchait, c'est-à-dire qu'il y a eu plus d'argent rapporté par les produits dérivés, aussi nombreux soient-ils, que par les films. Du merchandising, il y en avait avant, il y en a eu sur Les Dents de la Mer, par exemple, qui était sorti 2 ans avant, mais ça ne marchait pas. C'est-à-dire que pour les studios, c'était de la perte d'argent et de la perte de temps. Sauf que là, ça a marché parce que le film était ouvert. La découverte d'un univers est un moment merveilleux et intense dans la vie d'un être humain. Que l'on soit un enfant, un adolescent ou un adulte, une histoire est une clé qui ouvre un passage vers un monde imaginaire. Une expérience qui nous est propre, que l'on vit intimement. Et les enfants ont besoin de jouer avec un univers. Enfin, voilà, voir les films, c'est bien. Mais autant les adolescents et les adultes ont besoin d'avoir des histoires qui continuent à les nourrir à travers les livres, autant les enfants, ils ont besoin de jouer pour faire vivre en fait ces histoires. Les Dents de la Mer, on t'offre un requin, tu dis bon bah pff, ouais t'es dans ton bain, tu dis bon j'ai un bateau, j'ai un requin, tu as envie de faire le tour, tu vois. Alors que si t'arrives dans Star Wars et que tu dis ah ouais mais là j'ai un vaisseau, et puis j'ai Han Solo, et comme je sais pas ce qui est arrivé à Han Solo, bah je vais inventer les histoires d'Han Solo, t'as envie d'avoir des jouets, et du coup il te manque des Stormtroopers pour mettre en face, donc tu les achètes. Puis après tu dis ouais mais quand même il faut Dark Vador. Puis t'achètes Dark Vador. Et puis voilà, enfin tu vois, c'est exponentiel. Plus t'en as, plus t'en veux pour pouvoir faire de plus grosses aventures, en fait des nouvelles histoires. You can push R2-D2's secret button to open his hidden compartment.
plans are safe and the stormtrooper's gone. Thanks, Han. I didn't get this medal for nothing. Toutes ces croyances à la noix et ces armes démodées, ça vaut pas un bon pistolet laser au côté. Il faut peu de choses pour qu'un spectateur se détache d'un univers. Cultiver la flamme, développer l'imaginaire n'est pas chose facile. Lucas l'a compris à ses dépens avec le Star Wars Holiday Special, un téléfilm réalisé et conçu pour combler un vide entre l'épisode 4 et l'épisode 5. I hope that this day will always be a day of joy in which we can reconfirm our dedication and our courage and more than anything else, our love for one another. This is the promise of the tree of life. Bon, ça suffit, on retourne sur le pas. Je sais, la famille t'attend. Ah, le Holiday Special, c'était un gros risque et ça a été une grosse foirade. On peut pas appeler ça autrement. Ce n'est pas une bonne idée. Voilà, tout court. Non, c'est le Star Wars Holiday Special, je sais que George Lucas a racheté les bandes pour essayer de les faire disparaître, mais à l'ère du digital, bah, c'est foutu. Voilà. Là, le Holiday Special, on bascule dans un truc quand même assez cucu, complètement kitsch en plus. Enfin, on se demande ce qui s'est passé en fait. On se demande si ce sont les mêmes personnes qui ont fait Star Wars épisode 4 et le Christmas Special. Quand on voit la façon dont ça a été créé, le Holiday Special, on comprend, ça pouvait que rater, en fait. Parce que, voilà. Mais après, chacun y a mis son cœur, et voilà, quand on voit Carrie Fisher qui chante avec toute son âme, et Mark Hamill qui est avec sa petite bille d'enfant de cœur, là, enfin, on sent qu'il voulait faire bien faire, mais non, les conditions n'y étaient pas. Mala, je suis très contente de vous voir. C'est un beau jour pour vous. Je pense qu'à ce moment-là, il est pris par l'espèce de truc planétaire de raz-de-marée qu'est Star Wars. Attendre l'Empire contre-attaque en 80, c'est trop loin. Qu'est-ce qu'on va faire entre-temps? Ben, on va faire en 78 un truc où on va montrer la famille de Chewbacca. Et est-ce que c'est une bonne idée? Mais non, rien qu'en la résumant comme ça, ça ressemble à une mauvaise idée. Hello, Mala. Itchy. Salut, Lumpy. Même encore aujourd'hui, en fait, on a beau le revoir, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? En plus, les acteurs ont accepté de le faire. Il y a eu Mark Hamill qui est revenu, Carrie Fisher, Harrison Ford, c'est quand même une de ses belles casseroles. Mais après, c'est quelque chose de très américain. C'est-à-dire que de faire des, voilà, des... Dans toutes les séries, il y a le Thanksgiving Special, le Holiday Special, donc là, il a un petit peu réadapté les codes de ça, de reprendre des personnages et de leur faire chanter des cantiques de Noël ou de les mettre autour d'une dinde, c'est vraiment dans leur culture. Le fait qu'on nous dise George Lucas veut supprimer un film Star Wars dans lequel il a été impliqué, bah, ça a donné envie aux gens de le voir. Cette espèce de gros ratage entre deux chefs-d'œuvre du cinéma qui sont l'épisode 4 et l'épisode 5, c'est assez génial en même temps de se dire que ça existait et que même à un moment, un truc comme Star Wars peut sortir des rails pour après se dire « Oh non, en fait, on va revenir sur de la qualité ». Donc moi je trouve ça marrant que ça existe. En fait. Echo Station 5-7, we're on our way. 140, take one. The first camper arrived at the Cinerama on University Avenue shortly after noon on Tuesday. By 9 at night, the line encompassed several dozen people. The all-night vigil ends Wednesday morning at 11, when these people finally get to buy tickets to the first showing of The Empire Strikes Back. L'Empire contre-attaque corrige la trajectoire de la saga qui se termine en 1983 avec le retour du Jedi. Les aventures de Luke, Leia et Han prennent fin sur grand écran et les spectateurs repartent avec la conclusion de leur trilogie. Pourtant, il est hors de question de laisser la poule aux œufs d'or se reposer bien longtemps. L'année suivante, les Ewoks prolongent l'expérience dans un premier téléfilm live, validé et officialisé par Lucas. Le jeune public n'est pas en reste avec deux séries animées destinées aux enfants qui arriveront peu de temps après. Les Ewoks aussi, la série animée, c'était aussi une façon pour lui de surfer sur Le Retour du Jedi qui est un des films qui cristallise le plus le côté grosse machine de Star Wars. C'est que beaucoup ont vu dans les Ewoks des personnages qui étaient là juste pour faire vendre des jouets mignons. Et la série animée a un peu prolongé ça. C'est-à-dire que Star Wars épisode 6, c'est le Star Wars peut-être le plus enfantin de la trilogie originale. Et la série animée, en fait, va dans ce sens-là. Donc c'est un peu la façon dont George Lucas a étendu son emprise sur l'univers et sur les produits dérivés. Andorre devient alors un lieu très visité. La lune forestière revient même avec un second téléfilm, toujours sur les Ewoks. La relève est en marche.
mais le manque de moyens des productions télévisuelles se fait ressentir. Et il n'est toujours pas question d'autres films pour le cinéma. Et donc, après le retour du Jedi, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant, quoi? Parce qu'on a fait les trois Star Wars. Alors, il y avait encore, ils préparaient le deuxième Indiana Jones, qui était en production. Mais la manne, c'était Star Wars, parce qu'Indiana Jones, ça n'a jamais été un gros succès en licence. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, il faut entretenir la barque, comme on dit. Parce qu'encore une fois, comme il y avait cette énorme attente entre la sortie des films, enfin au début d'ailleurs, il n'y avait qu'une trilogie, personne n'imaginait en 1983 qu'il y aurait des nouveaux Star Wars après. C'est-à-dire pour nous, c'était terminé. Il y avait une fin, Dark Vador se repent, ça se termine dans le village des Ewoks, enfin voilà, tout va bien. Mais derrière, il y avait un tel engouement autour de cet univers qu'il y a des gens qui avaient envie, et George Lucas était d'accord, avec certains, pas avec tous, mais qui avaient envie de prolonger l'histoire. Début des années 90, y a commencé, enfin, les jeunes enfants qui avaient découvert Star Wars au cinéma dans les années 80 bah, commençaient à être vraiment intéressés et avaient surtout envie de voir leur héros continuer leurs aventures. When I started with the Thrawn trilogy, no one had been allowed to write post Return of the Jedi before, so I had a very clear canvas. Toutes ces œuvres ont étendu les films, à l'époque on appelait ça l'univers étendu, et donc on avait plein d'histoires qui se passaient entre les films et surtout au-delà des films, que ce soit des millénaires avant ou des centaines d'années après. Et à cette époque-là, il n'était pas question de faire d'autres films, donc il y avait une grosse demande. D'abord, commencer par des livres qui sont sortis et qui expliquaient ce que devenaient Luke, Leia, Han Solo, Chewie, dans la suite des aventures de cet univers Star Wars. Les auteurs ont tout de suite compris le potentiel immense autour des personnages de la saga. Encouragé par Lucasfilm, l'univers de Star Wars s'étend désormais sur plusieurs décennies, à travers une multitude de livres et de comics. L'expérience va encore plus loin avec la création de nombreux personnages emblématiques exclusifs à cet univers. Je ne vous gênerai plus. Oh, non, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. C'est mon frère. Bon voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Han et Leia vont se marier? Est-ce que Luke va devenir un grand chevalier Jedi, un maître et ouvrir une école, etc. Donc il y avait plein de questions qui se posaient. Cet univers étendu était d'ailleurs validé, tamponné par Lucas à l'époque. Donc par exemple, Leia et Han Solo avaient des jumeaux, comme Leia était la jumelle de Luke, qui était pris en charge par Luke, qui devenait des Jedi assez puissants. Enfin voilà, il y avait toute une histoire. As time went on and more authors got involved, the canvas started getting filled in, and there were dangers of running over each other's toes, duplicating what everybody else was doing. I think there are two, possibly three, different versions of how Han Solo got the Millennium Falcon from Lando Calrissian. Le début des années 90 commençait à sortir pas mal de livres. Et il y a eu un engouement immédiat aux États-Unis. On voulait continuer Star Wars, il y avait le merchandising très important, mais on avait envie d'histoire qui continue, quoi. Et puis,
Disney arrive dans l'équation, c'est-à-dire que George Lucas vend donc Lucasfilm à Disney en 2012. Et à partir de là, eh bien, il y a eu cette question de dire mais que va devenir l'univers étendu, que vont devenir les livres et les comics. Tu te rends compte que Star Wars a intégré une galaxie qui est peut-être la galaxie qui était un peu plus imposante que la galaxie Star Wars. Il n'y en a pas beaucoup, mais Star Wars en fait est devenue partie prenante d'un univers encore plus énorme dans lequel les produits dérivés sont encore plus grands, sont encore plus répandus. Donc vraiment, Star Wars, je pense que Star Wars a gagné en ampleur. Je vous montrerai le côté obscur. Vous pouvez essayer, mais vous ne pouvez pas nier la vérité sur votre famille. Vous avez raison. C'est très cynique ce que je vais dire, mais d'un point de vue business, Disney a eu raison de couper l'univers étendu. C'était dispersé, c'était trop riche. J'ai l'impression que l'abandon de l'univers légende, ça a vraiment un impact pour les gens qui le connaissent en fait. C'est-à-dire que moi qui ne le connaissais pas du tout en détail, un tout petit peu de loin, qu'on me dise on abandonne ça et on redémarre un peu à zéro sur l'univers étendu, en fait ça ne me pose pas de problème. Parce que si on veut vraiment tout maîtriser, tout connaître de l'univers, ça prend énormément de temps. Après, c'est aussi la preuve que l'univers de Star Wars est un univers qui n'est pas comme les autres univers, dans le sens où il appartient aussi aux fans. En faisant l'acquisition de la licence Star Wars, Disney prend possession d'un monde irréel, cultivé pendant des décennies par des fans passionnés. Supprimer cet imaginaire devenu alors encombrant est de l'ordre du bon sens. Pourtant, c'est un premier point de rupture évident entre l'entreprise et les passionnés. Quand ils ont racheté Lucasfilm, c'était pas juste pour vendre des livres et du merchandising, c'était bien sûr pour sortir des films. On ne pouvait plus garder les mêmes histoires qui avaient été racontées pendant deux décennies, parce que il y avait 30-40 livres qui étaient sortis sur cette période-là, et donc raconter tout ça en introduction d'un film, c'est un peu compliqué. Ça a beaucoup râlé, parce qu'il y a des gens, notamment des collectionneurs, qui se disaient « mais voilà, l'univers il existe, il est là, on l'a, on le possède, et là tout d'un coup vous nous dites que tout ça n'existe pas dans l'univers Star Wars ». Effectivement, du temps de George, c'était George qui, en tant que maître de la société, il faisait ce qu'il voulait. Eux, il faut qu'ils arrivent et qu'ils mettent tout le monde en ordre. Donc à un moment, il faut qu'il y ait une logique. You also have to remember, people who were nervous about this, remember that these guys, Dave Filoni, the story group, all these people grew up with the old Legends books. They grew up in the 90s with the Thrawn trilogy and all the others. They are going to be careful with it. They love this stuff. They are going to be cautious. They're not going to change anything they don't have to. L'importance de chaque univers est telle qu'il s'entremêle aujourd'hui à travers une collaboration improbable. Des personnages supprimés en même temps que l'univers légende par Disney sont à nouveau officialisés aujourd'hui dans de nouvelles histoires. On voit bien maintenant aujourd'hui que les jouets, par exemple, sont venus nourrir les films autant que les films sont venus inspirer les jouets. C'est-à-dire qu'on a maintenant des jouets qui existaient et qui n'avaient pas d'existence dans les films, qui sont venus maintenant s'intégrer aux films, comme le transport de troupes Kenner, là, qui s'est retrouvé dans le Mandalorian, alors qu'il n'existait pas à la base. Et finalement, voilà, on lui a donné une existence dans la série. On voit que c'est un échange, en fait, qui est à la fois très intéressé, financier, ça va permettre de pouvoir faire vivre ces films, c'était ça ce que disait George Lucas à la base. Et en même temps, il y a un échange, je pense, artistique. Parce que la volonté de Disney dans tout ça, c'est pas tant de renier les aventures qu'ont accompagné plein de gens durant toutes ces années, juste de reprendre le contrôle d'une propriété intellectuelle et de dire voilà, l'histoire officielle qu'on va canoniser, c'est nous qui avons racheté le truc et c'est nous qui allons la raconter. Le potentiel de l'univers est infini autour de la saga. Auteurs, réalisateurs, techniciens prennent la relève dans cette entreprise d'envergure pour nous proposer un spectacle de qualité. Certains réussiront à galvaniser les fans là où d'autres échoueront. Le passé, le présent, le futur, au final, la direction de l'univers ne dépend que des choix des spectateurs. And Leland Shee, the keeper of the holocron, the man with the utterly amazing memory for everything Star Wars, said something a few years ago that I've always remembered. This was before the sale, before new movies, etc. He said, everything in Star Wars is somebody's favorite.